Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on attaque l'épisode 2 de du swap de la Meganeres. Aujourd'hui, donc je vais monter tout ce qui est le moteur sur le support moteur. Le deuxième moteur, on va l'éloigner un petit peu je vais démonter les pièces. Je vais démonter la boîte, le volant embrayage et le volant moteur du moteur de la Mégane 2. Et puis après on va continuer, on va commencer. Tout ce qui est accessoires. Collecteur, le faisceau, l'admission, puis tout ce qui s'ensuit quoi. Puis après, on va dans les prochaines vidéos, on remontera le moteur dans le compartiment. On ira l'essayer. Donc il y aura une vidéo dédiée pour la distribution complète, comme il y en a certains qui m'ont demandé. Après, tout ce qui est. Après, enfin, ça sera. Ça, en fait, ça reste du basique, mais c'est un bon petit projet que j'ai. Ça me fait plaisir de le faire. Que dire d'autre? Rien d'autre, à part que j'adore les dragibus. Donc à la tienne. C'est bon. Haribo, c'est bon. Donc bon, on va déposer la boîte, déjà pour commencer. On va déposer la boîte, parce que j'ai besoin des vis de la boîte pour mettre l'autre moteur sur le support moteur. Donc il va falloir que je démonte cette boîte là d'abord. Il va falloir qu'on enlève. Il va falloir qu'on enlève cette tôle là, pour avoir accès au démarreur, pour pouvoir enlever les trois vis du démarreur. Il y en a deux là et une ici. Il y en a deux en haut, sur la boîte ici là. Une là et une là pour enlever le démarreur. C'est peut-être une quatrième, non, quand même pas. Il y a trois vis de 10 là-haut, une vis de 10 en bas. On a le carter là, la tôle par chaleur. On dépose le démarreur, on enlève les tuyaux qu'il y a sur la boîte, qu'il peut y avoir les connecteurs comme ça là, tac, qui peuvent nous gêner. Là, il y a le capteur de marche arrière, je pense. Tac. Là, il y a le renifleur de la boîte qui va rester sur la boîte.
risque de la dépose de la boîte. Voilà, pour le moteur est mort. Il y a un sacré jeu. Mais bon, nous on passe sur un volant moteur rigide, allégé. Pour ce qui est de ce moteur là, je vais l'avancer, je vais le mettre de côté. On va monter, donc la boîte pareil, je vais la mettre sous la voiture, j'en ai pas besoin maintenant. Je vais prendre les vis de la boîte et qui vont me servir à me mettre sur le moteur sur le pied de réparation. Du coup, on va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc celui-ci, c'est le moteur de la Mégane 3 RS1. Là, je m'y suis pris comme un manche. Voilà. Bon, ça tient. C'est déjà une bonne chose. Bon les gars, on se retrouve une semaine après la mise sur support moteur du moteur là. Je tenais à vous remercier, c'est un truc de fou, 1000 abonnés juste en ayant sorti cette vidéo en une semaine et presque 30 000 vues, c'est énorme. Je tenais juste à vous remercier pour ça déjà, c'est fou, franchement je suis hyper content. Donc nous aujourd'hui, une semaine après, on est le samedi, j'ai fait la vidéo le lundi 10 je crois, et là on est le 15, samedi 15. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ici là, à cet endroit là, et pour faire la distribution, normalement il y a un outil à mettre de ce côté là. Donc je vais retirer les capuchons, et moi comme l'outil je l'ai pas, je vais le fabriquer. Et j'ai un poste à souder, j'ai de la ferraille, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc du coup, je vous mettrai tous les liens des outils en description, les protections à avoir, machin, tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez checker la description, il y aura tout ce qu'il faut. Allez, sans plus attendre, nous on va démonter les petits capuchons, je vais prendre les mesures, tout ça, et on va passer sur l'établi pour fabriquer cet outil. Et une fois qu'il sera fabriqué, on va commencer la dépose de ce que j'ai besoin, l'admission, le collecteur, parce que sur le collecteur il manque des goujons, donc il va falloir que je la dépose les deux là pour récupérer un goujon là-dessus. Donc voilà. Pour se repérer, celui-là, là, celui qui est sur le support moteur, c'est le moteur de la Mégane 3 RS, et celui qui est par terre, c'est celui de la Mégane 2 RS. Donc je sais pas si vous voyez sur ce moteur-là, la Mégane 3 RS, ils ont mis les bouchons là. Ils ont dû démonter les bouchons et ils n'ont pas dû les changer, du coup ils ont mis de la pâte à joint un peu n'importe comment pour pas que ça fuit. Donc ça fuit pas, mais bon, c'est pas très beau. Moi j'ai des nouveaux bouchons et du coup je vais les enlever ceux-là, je vais tout nettoyer et ensuite je vais prendre les mesures pour pouvoir fabriquer l'outil. On va venir prendre un tournevis. Voilà le premier. Ouais, ils ont été montés mais pas remplacés ceux-là. C'est pour ça que. Ah oui, comme il est tout craquelé au milieu le truc. Voilà, ils ont dû faire un trou. Ils avaient dû faire un trou ici. Ils ont bouché la pâte à joint derrière. Pourtant c'est pas ce qui doit coûter le plus cher mais bon. Et là de ce côté-là.
Pourtant, il n'y a rien, ils ont réussi à le démonter peut-être proprement. Ouais, ils avaient peut-être réussi à le démonter proprement, sûr. Donc bon. Pour la distribution, là, vous avez deux ergots. Là, vous avez un ergot là. Et là, pareil. Il faut qu'il soit à l'horizontale par rapport au plan de joint de la culasse ici, là. Voilà. Donc moi, il va falloir que je fabrique un outil qui rentre en fait à plat ici, comme ça, tlac, pour bloquer deux arbres à cam. Et il se maintient avec une vis ici, je crois. Donc pour ça, on va caler la distribution déjà, pour que les deux arbres à cam soient à plat, pour que je puisse prendre bien mes mesures, comme il se doit. Donc pour le calage de la distribution ici, vous avez un petit bouchon là, qui sert à rien. C'est du torx, il va falloir l'enlever. Voilà. Il va falloir l'enlever pour mettre la pige pour le vilebrequin. Moi je l'avais déjà débloqué. Donc à partir de là, on vient prendre des piges, la pige de calage distribution pour Renault. Donc je sais pas du tout lesquelles c'est. J'en ai trois comme ça. Donc moi je pense que c'est celle-ci. Donc on va venir faire tourner le vilebrequin. Donc normalement le principe, voilà. Moi ma pige elle doit pas être faite pour ce moteur là. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Donc du coup, voilà, moi elle vient taper sur le vilebrequin mais je peux pas la visser normalement. Donc on est censé venir la visser. Mais là non. Donc là le vilebrequin en gros il est bloqué. Là je peux pas. Là, si je tourne un tout petit peu sans forcer. Tac, c'est bloqué. Et si je tourne dans l'autre sens, tac, c'est bloqué. Je peux que la sortir. Donc à moins que je coupe la pige, mais bon, ça m'embête un peu. Ah, ça doit être des piges d'un litre de DCI. Un litre 5 DCI. Ah, je vais essayer, j'en ai une autre, je vais essayer. Putain, il manque pas grand chose. Pas grand chose pour celle-là. C'est celle-là que je vais couper, je pense. Celle-là que je vais couper. Bon, ça, je la coupe et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai coupé ma pige d'à peu près 1 cm. Donc j'y suis allé 5000 par 5000 pour être sûr de faire quelque chose de propre. Donc je l'ai coupé et voilà, on est dans le bloc tout au fond. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Peut-être là. Là, si je tourne, allez hop. La partie chromée disparaît. Voilà, le focus, c'est fou. Et là, la partie chromée réapparaît. Voilà. Bah dans le vilebrequin, il y a un trou. En fait, il y a un espace. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma pige dans le trou. Donc, faut, de temps en temps, il faut jouer avec le vilebrequin pour qu'elle se mette bien en place. Et vous la vissez à fond. Voilà. La pige visse à fond. Alors pourquoi il faut mettre la pige dans le vilebrequin? Parce que en général les poulies ne sont pas clavetées. Donc dès que vous desserrez la poulie, pouf, ça peut tourner tout décalé. Donc si vous n'avez pas l'outil, bah en gros le vilebrequin ne sera jamais bien calé parce que la poulie n'a pas de clavette. C'est une poulie folle, donc du coup bah avant de recaler la distribution, bah bon courage. Donc voilà. Là, ici et ici, vous avez les deux fentes. Là et là, elles sont parfaitement alignées par rapport au plan de joint de la culasse ici. Donc je vais fabriquer l'outil. Donc là c'est totalement au talent, hein. Il va falloir que je trouve de la ferraille aussi épaisse que ça. Ça va pas être facile mais il va falloir qu'on le fasse. Bon les amis, je suis désolé pour le bruit que vous entendez, c'est le voisin qui encore une fois tond sa pelouse. Enfin il joue du débroussailleur là. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup moi j'ai trouvé un vieux serre-joint. J'ai coupé un petit bout là parce qu'il y avait un petit point de soudure pour pas que
cette deuxième, que la deuxième partie sorte, hein, si vous préférez. Tac. Donc moi j'ai coupé, hop, j'ai sorti ça. Tac. Voilà. Donc l'épaisseur ici, c'est pile poil celle qu'il me faut pour aller dans les arbres à cames. Donc je vais couper deux longueurs identiques. Les deux longueurs vont aller dans les arbres à cames. Et ensuite je vais les relier par un bout de fer plat, bah, n'importe lequel, on s'en fiche. Et ensuite il faut que je fasse une patte avec un trou pour que bah, l'outil reste et qu'il se fixe sur le moteur. Et donc pour ça je vais devoir souder avec mon poste à souder qui est juste ici. Voilà. Donc ça, je vous mettrai les liens en description. Je vous mettrai tous les équipements qu'il faut pour la soudure en description. Moi, j'utilise pas toutes les protections parce que je les ai pas toutes encore. Je vais me protéger comme je peux, avec une veste pour les bras, une paire de gants normale pour les mains. Bah, le casque par contre de soudure, ça c'est obligatoire. Le temps que, bah, parce que j'ai pas tout acheté tout simplement. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vous passe ça tout en accéléré. Donc c'est pas d'une précision chirurgicale, mais en tout cas pour un outil maison, ça va grandement me servir. Deux morceaux comme ça. Donc voilà, l'outil est mis en place. Maintenant, je vais maintenant faire une petite patte. Vous voyez ici, il y a un filetage là. Je vais faire une patte de là à là. Bon, je touche pas le truc parce que c'est encore chaud. Je vais faire une patte de là à là pour pouvoir le maintenir. Pour éviter que bah, il tombe, il saute, peu importe. Donc là, je vais faire une patte avec un trou de 6. Et ensuite, bah, on va pouvoir mettre une vis pour le maintenir. L'idée en gros, c'est ça. Comme ça. Vous voyez ? Voilà. Là, je vais faire un trou ici. Là, je vais faire un trou ici et comme ça, je vais pouvoir mettre un écrou, enfin une vis pour le maintenir. Voilà, je vais le positionner là où j'ai envie qu'il soit. Je vais prendre un petit tournevis là pour y faire une marque derrière. Si vous avez une pointe à tracer, c'est le mieux. Donc moi, j'ai fait une marque là, ici, ça va pas se voir. Allez, ici la marque. Ainsi, ça se voit un tout petit peu. Donc, je vais percer ce trou là. Une fois percé, je vais le serrer ici. Je vais faire un point de soudure. Une fois qu'il sera monté, je vais faire un point de soudure. Je renlève l'outil, je vais l'établir, je vais finir de le souder. J'ai fait un point avec un pointeau ici à ce niveau là, comme ça le forêt perce direct. Donc avant de percer le trou, je vais juste mettre un petit coup de graisse sur la partie que je vais percer et sur le forêt. Donc là c'est la gamme spécialiste WD-40, graisse en spray.
Donc normalement il faudrait de l'huile de coupe ou de l'huile pour les forêts. Mais là j'en ai pas, du coup on va servir de ça, ça va faire le boulot. Donc voilà ce que ça donne. Là je vais couper cette partie là à peu près par ici là. Toc. Là je vais faire, je vais mettre la masse ici, je vais faire juste un petit point de soudure avec le poste à souder là, sur cette partie là. Ensuite je vais attendre que ça refroidisse un peu pour pas que le métal il travaille de trop, sinon bah je risque de pas retomber en face après. Faire un point et puis après là l'établi va souder ça correctement. Donc voilà. Du coup voilà, j'ai fait un point, je vais maintenant finir de souder. Là c'est le dessous. Donc voilà les amis ce que ça donne une fois monté l'outil, j'ai passé un petit coup de peinture pour que juste que ça fasse un peu plus propre. Donc voilà, maintenant les arbres sont calés, on peut démonter la distribution. Ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo, je vais faire une vidéo dédiée à la distribution. Là on va commencer le démontage des pièces que je vais pas avoir besoin pour ce moteur là, le faisceau de l'hôte, et on va commencer à rhabiller ce moteur là avec l'hôte. C'est parti, pour le début on va commencer à déposer toute l'admission, parce que celui-là je récupère pas l'admission, mais je vais reprendre l'admission de l'autre parce que le boîtier papillon ça n'est pas le même et on peut pas adapter l'autre papillon sur celui-là. Donc c'est parti pour la dépose. Allez, c'est parti. Ça, ça reste dessus. Je vais maintenant retirer le collecteur d'échappement. Thank you.
le bloc à l'arrière il est tout propre. Donc moi du coup j'ai mis les deux moteurs à hauteur pour bosser. Donc ça c'est le moteur de la Mégane 2 et celui-là le moteur de la Mégane 3. Comme ça, là c'est côté admission, là c'est côté admission. Ensuite je le retourne, côté échappement, je retournerai l'autre moteur pour faire pareil. Pour les durées de coller, je vais vous faire voir encore une méthode. Comme je vous ai fait voir dans la vidéo, j'utilise WD-40 lubrifiant silicone. On a un tout petit peu dans la durite et ça sort tout seul. C'est magique. Passe un coup de propre là-dessus, un petit coup de toilimerie, un joint neuf. Bon, j'ai fait un coup de propre sur l'admission, on va maintenant tout remonter avec un joint neuf. Pour ça, j'ai un joint neuf, tout neuf de chez Renault, donc pour ceux qui veulent. Joint de connecteur d'admission 82 00 798 762. Il va falloir que je démonte la pipe, la petite pipe d'eau qui est là. Je pense que c'est le calorista qui doit être dedans. En plus sur l'autre moteur c'est pas la même. Elle est droite et là elle est courbée par là. Sur le moteur, j'ai remonté tout ce qui était injection, faisceau pour l'allumage, la pipe d'admission. J'ai démonté le,
le papillon ici, parce que j'ai un joint tout neuf et il a fallu que je le démonte pour pouvoir passer la jauge. Donc du coup je vais remonter un joint neuf. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my de bien le serrer, je vais mettre les durites dessus pour avoir le bon angle. Bon, pour tout ce qui est le devant du moteur, c'est fait. On a fini sur le devant du moteur. Il va falloir que j'enlève le collecteur de l'autre là-bas. Je récupère les goujons que je vais mettre, que je vais remettre. Je vais remettre un joint de collecteur neuf, le collecteur, et ensuite ça sera fini pour aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la dépose du turbo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Toujours WD-40.
au fond là-bas. Voilà, tac. Un joint tout neuf. Voilà. Voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, liker la vidéo, laisser des commentaires, j'y réponds tout le temps. Prochainement sur, sur ce moteur, on va la prochaine fois, donc la prochaine vidéo, ça sera la distribution. Ça sera une vidéo complète sur la distribution. Donc je vais pouvoir utiliser l'outil que j'ai fait fabriquer ce matin. Que dire d'autre? Ensuite, on va, une fois que la distribution est faite et que j'ai fait quelques. Que j'ai remonté le turbo, tout ça, on va faire tout ce qui est jointure moteur. Donc l'autre côté là, on va faire le joint speed de vilebrequin. Donc il va falloir que je descende. Ici, pendant que je vais faire la distribution, je changerai les joints speed de vilebrequin et les deux joints speed d'Arbracam. Que dire d'autre? Bah après ça sera bon. On va commencer l'assemblage volomoteur, embrayage, boîte. Et puis on va pouvoir le rejeter dans la voiture. Si ce que je ferai, c'est que maintenant que tout est fermé devant, le filtre à huile, la jauge d'huile, tout ça, je vais pouvoir le dégraisser complètement. Quitte même à lui passer un coup de karcher sur le devant du moteur, ça fait pas de mal. Et puis voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le moteur. Une petite parenthèse, je vous remercie encore pour les 1000 abonnés qui m'ont joint sur la chaîne pendant une semaine là. Si vous connaissez pas, j'en profite du coup, parce que j'ai pris pas mal d'abonnés, je partage un petit peu. Si vous connaissez pas, La Clé de 13, c'est une chaîne YouTube, c'est un gars, c'est un pote à moi, c'est Mika. Il restaure une 205 GTI. Donc là il est en train d'en faire, il est en plein sur le moteur, il y a toute une grande série de vidéos à voir sur le moteur. Donc pour les nouveaux arrivants, allez jeter un oeil sur la chaîne de la Clé de 13. Vous verrez, il fait un projet, c'est ouf quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.